L'année 2015 est placée sous le signe de la réalisation de grands chantiers par la municipalité de Bouaké. Plusieurs chantiers ont été présentés aux populations lors du dîner de Nouvel An offert par le maire Djibo Nicolas. Au nombre de ces projets, la réhabilitation de l'abattoir et la construction du marché central de Bouaké. Le marché que toute la population attend. Et aujourd'hui, je suis assuré du démarrage de ce projet en 2015 parce que tout simplement, nous avons trouvé le financement. Ça va dépasser les 10 milliards. Donc, cela est bouclé. L'autre projet aussi, qui est l'abattoir, est également bouclé pour un montant de 3,5 milliards. Donc, ces deux projets vont commencer. Et cela va procéder, je dirais, à la grande transformation de la ville. Nous sommes au travail et qui peuvent compter sur nous. Nous allons améliorer leurs conditions de vie dans notre cité. Pendant cette cérémonie de présentation des chantiers au titre de l'année 2015, l'orchestre de la Fraternité Ivoirienne, OFI, a marqué son retour à travers une animation de jour de fête. Le mythique groupe musical a permis ainsi aux invités de passer des moments agréables et de souvenirs.